Et salut à tous, c'est Lien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la traduction de Pokémon Night Platinum. Je fais cette vidéo déjà pour vous informer que le projet n'est pas du tout fini, au contraire, il a même beaucoup avancé. Déjà en fait, j'ai tout recommencé par rapport aux précédentes traductions, les précédentes vidéos que j'ai mises. J'ai tout recommencé. Je les laisse quand même parce que bon, il y en a qui peuvent toujours y jouer et puis là c'était des vidéos qui ont été assez regardées, donc au moins ça fait connaître le projet. Parce que j'ai besoin de gens pour me dire s'il y a des bugs, tout ça, enfin bref. Donc je vais quand même laisser les autres vidéos, mais là voilà. Donc pour me différencier un peu, j'ai mis édition 2 dans le titre. Voilà, donc édition 2, mais jusqu'où cette traduction va, hein, je vais pas par 4 chemins, hein, je vous dis direct. Alors là, je suis dans la ville de... Vous allez voir... Mince, non. Au 412, Serenity City. Bon, je sais pas si vous avez vu... C'est la ville de la sixième arène, donc l'arène électrique et le champion Rainer. J'ai traduit jusqu'à là, bon vous pouvez voir, voilà, regardons, on va le voir, j'ai tout fait, enfin, oui parce que comme, pour traduire je suis obligé de tout faire les combats, tout ça, et par exemple on va lui parler pour vous montrer, l'électricité est dure à contrer, mais enfin bon, il y a plein de, tous les dialogues ont été faits. Juste avant ça il y avait la route 412, une route qui est assez longue, on avait rencontré plusieurs rivaux, il y avait le Mont Zeri aussi avant, enfin bref, il y avait pas mal de choses jusqu'au 6ème badge. Il y a des trucs qui sont pas encore traduites comme les petites phrases genre s'est enfui ou a baissé l'attaque ennemie, ou des trucs comme ça qui sont pas vraiment des dialogues. Ça c'est vrai que c'est pas encore fait, ça sera fait plutôt vers la fin, pour l'instant je me concentre vraiment sur le jeu, sur les dialogues, parce que c'est ça qui vous permet d'y jouer, je pense que tant que vous avez les dialogues c'est ça le plus important. Parce qu'il y a les attaques de traduites, donc par exemple si vous êtes en combat, que vous prenez un rugissement, et que en anglais il y a bidule attacks fell. Bah, de toute façon attaque en anglais c'est attaque aussi. Bref, enfin, vous connaissez le nom des attaques, donc généralement vous connaissez l'effet que ça fait. Donc bon, pour l'instant je le traduirai, mais pour l'instant c'est vrai que je me concentre surtout sur les dialogues. Bon, en tout cas nombre d'heures de jeu, regardez, j'en suis à 28h29. Si j'additionne toutes les heures où j'ai passé dessus, je sais pas si ça fait vraiment 28h29. Je sais pas, peut-être pas. Je sais pas, je fais pas trop attention, mais ouais, j'y avance pas mal. Même là, je vous fais une vidéo sur une version. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que à chaque fois que j'ai fini une route ou une ville ou une montagne, par exemple, je copie-colle la ROM. Par exemple, j'ai commencé, j'étais avec Trad 1. Imaginons, j'ai fini première ville Yellow Town. Je fais copier-coller, Trad 2, je continue à traduire sur la trame 1, mais au moins, si j'ai un problème avec la traduction, je peux reprendre à partir de la Trad 2, traduction 2. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, là, ça me fait la traduction 34. Ça fait beaucoup avec les routes, les nombreuses villes, il y avait plusieurs montagnes aussi. Ça va assez vite. Et puis des fois, dans la même ville, je fais deux traductions différentes parce que c'est assez long. Par exemple, Groment City, il y avait beaucoup de choses à faire, il y a la ville qui est assez grande, le musée où il se passait pas mal de choses. Groment City, c'est la cinquième ville, enfin, la ville de la cinquième arène, donc il y avait la ville qui est assez grande, le musée où il y avait la Team Steam, les mines de Groment, où il y avait, il fallait chercher le champion, et ensuite l'arène, il y avait beaucoup de choses, donc cette ville, je me rappelle, je l'ai fait en deux fois. Enfin bon, tout ça pour dire, voilà, que jusqu'à la route 413, tout... a priori tout, sauf peut-être les trucs de concours que j'ai pas fait, je suis pas sûr. Mais bon là, bon ça c'est traduit, c'est normal. Lui par exemple, il est pas traduit normalement. Ouais, vous voyez, il est pas traduit. Mais regardez mon équipe, je me suis fait, voilà, faut quand même que je... Comment ? Faut quand même que je fasse le let's play, donc faut quand même que j'ai... Mais j'ai pas vu qui me met en face. Faut quand même que j'ai une équipe potable. Donc j'ai Dracofeu, j'ai Rapace de Pix, Carino, Loclas et Infect. Bon, Arcapti, je sais pas trop ce qu'il fait là. Enfin bon, voilà, c'était pour vous montrer. C'était pour vous montrer à peu près où j'en étais. Dans le... Là, bon, ça, je retraduirai, bien sûr. Hein, je vais pas y laisser comme ça. Mais voilà, je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez jouer au jeu jusqu'au 6ème badge. Mais ça avance assez vite. Et puis, de toute façon, je fais en référence à mon let's play. La deuxième partie du jeu, après la première ligue, ça va assez vite, les arènes s'enchaînent, donc c'est assez court la deuxième partie du jeu, donc là j'ai quand même fait quasiment la moitié, bon peut-être pas la moitié, non, j'ai fait un gros bout quand même, j'ai pas mal avancé, donc ça avance vite, hein, enfin je sais pas, je peux pas vous donner de date, parce qu'après il y aura toutes les petites phrases, comme je vous dis, ça risque d'être assez compliqué, mais ça avance plutôt vite,
Je pense dans une ou deux semaines, j'aurai déjà fait jusqu'à la ligue, même pas, même plus. Donc ça avance vraiment, vraiment assez vite. Donc on va pouvoir, on peut voir sur la carte. Attendez, j'ai pas la carte. Moi j'ai pas de carte. Ah bah tiens, je sais où il y a une carte. Je sais où il y a une carte. Casse-toi. Bon, regarde. Voilà, donc on est ici. Oh là là, mais. Voilà, Yellowtown. Donc il y a tout, à peu près tout ça, ça a dû être fait. Ouais, on est redescendu. Toutes les routes, toutes les villes, jusqu'à Serenity City. Regardez, je vous montre. Hein, je prends des gens vraiment au pif. Regardez, on va monter dans, on va entrer dans la maison. Mince. Ah, je contrôle rien. Faut que j'arrête d'accélérer, je contrôle rien du tout. Je suis effaceur de capacité. Vous voulez faire le mien? Non, non. Enfin, voilà. Il y a plein de. Enfin, je vous montre, je vous fais des petits tests. Par exemple, sur la route 412. Voilà. Toi. Allez, c'est pour vous montrer. Je vais pas tout vous montrer, bien sûr. Mais n'hésitez pas donc à télécharger le jeu. D'ailleurs, je suis rentré content parce que les premières traductions que j'ai faites. Notamment, déjà, les vidéos ont été très regardées. Et puis sur Mediafire, je peux voir le nombre de fois que les liens ont été téléchargés. Et la première vidéo, le premier lien que j'avais donné, a été téléchargé 1300 fois, plus de 1300 fois. Pareil pour le troisième lien que j'ai mis, plus de 1300 fois. Donc c'est vraiment assez énorme. J'espère que cette traduction ira mieux parce que déjà il y a moins de bugs. Oui, je voulais vous dire, il y a des trucs que j'ai corrigés. Bon, déjà, l'arène de Dardust City avait eu des bugs, c'est moi qui avais mal fait. Il n'y avait pas de bug à la base, mais c'est moi qui avais mal fait tout simplement, donc j'ai corrigé. Sinon, il y avait eu des bugs qui étaient déjà présents par contre dans le jeu. Enfin, c'est pas vraiment des bugs, mais c'est des trucs qui ont été assez mal faits. Dans Sinport City par exemple, ou dans aussi Serenity City. Ici en fait, là vous avez un interrupteur qui permettait d'ouvrir un portail. Bon là le portail il n'y est plus parce que bon j'ai battu l'arène et puis je les ai enlevés. Parce qu'en fait, quand vous actionniez le portail et que vous passiez et que par exemple vous faisiez un combat ici, et bien là le portail se refermait. Ce portail se refermait. Et le seul levier qui était capable de ouvrir, c'était ici. Du coup, j'ai annulé les leviers et j'ai effacé les petits portails d'électricité, les petits portaux, non, portails d'électricité pour que ça soit possible de jouer. Donc, c'était un truc qui était déjà présent, c'est juste que c'est mal fait parce que du coup, c'est en fait, faut faire l'arène tout d'un coup. Parce qu'une fois qu'on a battu le champion, bon, ça se désactive entièrement, mais. Voilà, faut faire l'arène tout d'un coup et je sais pas si c'était fait exprès, mais bon, je trouve ça un peu galère. Et pareil, Sinport City, c'était la même système, les leviers, c'est les leviers qui posent souci. Ça faisait apparaître des ponts sur l'eau et pareil, les ponts s'enlevaient lorsqu'on faisait un dresseur au-dessus. Donc, genre, j'ai mis des ponts permanents, donc il n'y a pas à actionner de levier. Pareil, les leviers, je les ai supprimés. Enfin, ils y sont encore pour la déco, mais il n'y a pas l'événement. Enfin, je veux dire, quand vous parlez, il se passe rien. Donc voilà les petits trucs que j'ai corrigés. Enfin bon, je vais continuer. Je sais pas si tout de suite là je vais continuer. Parce que c'est vrai que j'en ai fait pas mal en pas longtemps. Là j'en ai fait beaucoup. Mais jusqu'au sixième badge. Donc je suis content. Je suis content. Regardez. Bon, obtient super potion. Bah, des petites phrases comme ça. Too bad, the bag is full. Ça c'est des trucs. Faudrait que je traduise. Mais j'y fais pas tout de suite, c'est vrai. Bon, enfin bon. Je vous laisse, je vous laisse, hein, je dis tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me poser des questions, sur ce que vous voulez, hein. Qu'est-ce que vous pourriez me poser comme question? Je ne sais pas, à vous de trouver. Enfin, si jamais vous avez besoin, a priori il n'y a pas de bug, en tout cas j'ai pas rencontré de bug, à part les 2-3 trucs d'arène que j'ai corrigés, mais sinon j'ai pas rencontré de bug, donc j'espère que ce sera bon. N'hésitez pas à fouiller. N'hésitez pas à parler à tout le monde pour voir s'il n'y a pas eu de trucs que j'aurais loupé comme traduction. N'hésitez pas à me dire, que ce soit en message privé ou en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos impressions et à me dire, ouais, j'espère que tu vas vite finir. Enfin, ça me dérange pas. Même si c'est vrai que je quand même prends mon temps parce que je prends mon temps parce que je vais pas faire n'importe quoi. Je suis content que au moins vous soyez pressé que ce soit fini. C'est-à-dire que vous appréciez. Ah bon, n'hésitez pas, voilà. À explorer bien le jeu jusqu'au sixième badge. Hein. Après, vous aurez que des trucs en anglais après le sixième badge. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Hein, sixième badge, par exemple, sur mon let's play de Light Platinum, j'ai fait 20 épisodes, je crois. Donc 20 épisodes d'une demi-heure environ, imaginons. Ça fait 10 heures. Bon, il y a encore un petit peu à faire. Et oui, aussi un truc que je voulais dire, quand les nouvelles versions sortent, vous n'êtes pas obligé de recommencer. Hein. Vous faites une sauvegarde, donc avec File, Save Game. C'est ça, save game? Attends. Ouais, save game.
vous faites un par exemple, et ensuite, quand vous téléchargez les nouvelles versions que je sortirai, vous faites load, enfin vous téléchargez la sauvegarde que vous avez faite. Donc ouais, vous n'êtes pas obligé de recommencer, c'est ça qui est cool aussi. Si vous voulez vraiment jouer qu'en français, le temps, à mon avis, le temps que vous ayez peut-être fini jusque-là, j'aurais bien avancé, j'aurais déjà sorti une autre vidéo. La prochaine vidéo que je sortirai de la traduction, ce sera sûrement une fois la Ligue Pokémon battue. Bon, et des fois, il y a des petits événements après qu'on peut pas sauvegarder encore. Mais bref, je pense que vous aurez jusqu'à la Ligue à la prochaine vidéo. Donc voilà, bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas aussi, moi je demande pas tout le temps ça, mais n'hésitez pas aussi à partager parce que j'aimerais bien avoir le plus d'avis possible pour savoir par exemple si des fois si les gens ont des bugs, c'est peut-être leur ordi ou ou je sais pas quoi. Donc n'hésitez pas à partager pour que le plus de monde connaisse et puisse me donner son avis. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes content. Et puis moi je vous dis à très vite. Voilà, j'espère que vous avez pas vu la souris, bon tant pis. À très vite pour soi et la suite de nos aventures sur Pokémon Raptor X. Ou alors sur. Il y en a peut-être qu'il y a juste la traduction que ça intéresse. Je pense qu'il y en a beaucoup, c'est ça, parce que. Mais bon, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt tout le monde. Salut, salut!